Nous allons assister à un ravitaillement. Tu l'as vu ce matin? Tu l'as vu ce matin, Alessandro? Ouais. Donc Brice va arriver et Julien va reprendre le guidon. Ah, là, le ravitaillement du fil. Là, voilà, voilà. Bonjour Alain, ici Alain Leclerc. Ça va? Alors, oui. Premier relais effectué, tout va bien. Eh ben super. Donc la moto marche parfaitement. J'ai eu une petite ton secret pour être en forme. Quel sport tu fais? Ton secret pour être en forme. Je fais du vélo. Et nous aussi, hein, Jean. Ah, on adore ça. On va venir dans le Jura. On va venir chez nous dans le Jura. Alors, le résultat, il est là. Ils sont très jeunes. Alors, ça m'oblige. Ouais. C'est ce que tu m'as expliqué, mais ça, ça c'est la plus belle des motivations. Après, je pense que je vais arrêter pour l'argent. Mais c'est déjà fort, parce que voilà. Alain Leclerc. Bon, il a été champion de France
en 1978. Le premier bol d'argent a eu lieu ici en 1978. Alain Leclerc courait sur une 1000 CBX, une 1000 Honda CBX. Il était parti favori. Bon, malheureusement, il y a eu quelques accidents de course. Mais il a piloté aussi les Japoto dans les championnats du monde d'endurance, donc dans les années 70-80. Et il fête ses 70 ans aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a le numéro 70. L'année prochaine, hein? Ah ok, mais c'est déjà pas mal, hein? c'est déjà un exploit. Non mais c'est surtout extra d'être ici au milieu de tous les jeunes et des moins jeunes, je veux dire, il y a tous les jeunes qui ont les dents longues, des moins jeunes qui ont les dents Et il y a des jeunes qui roulent moins vite. Ouais, c'est ça. Il est trop modeste, il n'ose pas le dire. Mais Alain, franchement, ce que tu fais, on est très fiers de toi. Et tous les ans, tu nous dis que tu ne viens pas, mais tu vas. Je suis sûr que tu seras là l'année prochaine. C'est exceptionnel. Hein. On verra, année après année, step by step. Oui. Merci Alain. Et bonne continuation. Merci.